N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. La chanson de Camille Lelouch n'a pas été choisie au hasard. Elle y raconte son expérience de victime de violences conjugales. Un récit que Bérangère n'a que trop entendu dans son cabinet de psychologue et qu'elle a souhaité mettre en chorégraphie. Ça me tenait à cœur aussi de pouvoir mettre par mes mouvements, en fait, leur vécu et leur ressenti. Et de pouvoir aussi, à travers cette chorégraphie qui tourne depuis maintenant un an à travers la France, finalement, ça fasse aussi un peu prévention. Depuis un an, en effet, la jeune femme de 29 ans enchaîne les concours et les titres grâce à cette variation. En avril dernier, elle a notamment été sacrée championne de France de danse jazz. J'imaginais pas que ça allait remporter autant de prix. J'avoue que je danse depuis toujours et j'ai des concours, j'en fais depuis que j'ai 8 ans. Donc bien sûr, j'en ai gagné des prix en individuel, mais aussi en groupe. Mais là, que ça soit autant et aussi fort et que effectivement les retours soient aussi unanimes en fait sur cette chorégraphie, ça me touche parce que c'était mon objectif en fait, que ça puisse vraiment toucher tout le monde et que ça parle et qu'on en parle en fait. Parler pour prévenir et pour aider toutes les personnes victimes de violences. Sous le regard de sa mère, professeure de danse, Bérangère répète inlassablement ses mouvements. Pour elle, la danse est une libération. En fait, je fais un métier qui est quand même très prenant psychiquement et j'ai l'impression de déconnecter un peu mon cerveau pendant 2 heures et de me dire là, je me ressens aussi sur moi et j'exprime un peu aussi tout ce que je peux recevoir dans la journée et je peux les libérer par les gestes en fait. Bérangère tentera de décrocher un nouveau titre ce week-end lors du festival 1-2-3 Danse, un concours européen qui réunira 2500 danseurs internationaux à Courbevoie. Tu m'aimes.